Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera vidéo bilan de cette fin d'année 2015. Ce sera ma dernière vidéo postée en année 2015. Elle sera postée la semaine qui vient, là on est le 20, donc elle sera postée la semaine du 21. Donc avant tout, je veux déjà vous remercier toutes et tous d'être toujours aussi nombreux à me suivre. Je sais plus combien vous êtes, mais je crois que vous êtes 296 abonnés. C'est pour moi beaucoup, hein, en sachant que j'ai commencé le 1er décembre 2011. Je pensais pas atteindre 296 abonnés 4 ans plus tard. Ça aurait été bien 300, mais bon, 300 abonnés feront une vidéo spéciale. Pareil pour les 100 000 vues, ça sera une deuxième vidéo spéciale. Parce que ça arrivera. Alors, une année où il y a eu beaucoup de choses, je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Beaucoup de changements, beaucoup de choses qui sont arrivées au fur et à mesure. Beaucoup de foot terminé, beaucoup de nouveaux projets qui sont en route. Et je comptais un peu vous présenter tout ça à travers un peu un récapitulatif cette année. En premier lieu, bon, j'ai quitté Millennium, enfin, mon partenariat avec Millennium s'est terminé cette année. Donc, qui est terminé cette année, ça veut dire qu'après, nous n'avons plus fait de vidéos ensemble. Voilà, ma dernière vidéo bilan, c'était 2014 quand même. Donc, on s'est quitté en bon terme, je vous rassure. Mais voilà, on s'est quitté, il y a eu des changements. Et cette année, bon, j'ai terminé plusieurs Rogue Food, donc notamment Company of Heroes 2, la bataille des Ardennes quand elle s'est terminée, Assassin's Creed Unity aussi que j'ai terminé. J'ai fait les Command & Conquer 3, les Guerres de Tiberium, Command & Conquer 3, la Fureur de Kane, qui ont été des jeux que vous avez plutôt bien appréciés. Enfin, plutôt bien appréciés. Oui, vous voyez, j'ai plein de problèmes de contenu protégé par les droits d'auteur, c'est pas grave. C'est pas très important. Je fais de plus en plus de replays, vous en demandez beaucoup. Pour moi, ça demande moins de travail à faire pour vous. Pour être honnête, donné que c'est des replays commentés de parties que j'ai déjà fait, c'est plutôt simple à faire. Nous avons terminé aussi le walkthrough de Mass Effect. En fait, ce qui est ironique, c'est que Mass Effect n'est pas le walkthrough que vous préférez, mais vous l'avez préféré à Assassin's Creed apparemment. Je peux comprendre, de toute façon, Assassin's Creed, je compte pas filmer d'autres Assassin's Creed vu que. C'est pas trop une chaîne pour ça, j'ai voulu faire un test, mais c'est pas trop bien passé, donc on va. Si j'en filme, ça sera des anciens durant Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2. Parce que Assassin's Creed vient du n'importe quoi, et les optimisations PC, c'est du n'importe quoi, soyons honnêtes. Et le dernier walkthrough que nous avons terminé, c'est Act of Aggression, qui a été très très suivi. On va mettre maintenant, nous avons commencé le walkthrough d'Age of Empires 2 HD et de Supreme Commander, donc. Encore de quoi faire un moment avec plein de walkthrough de jeux de stratégie. Donc, des walkthroughs, je compte faire manuellement tous leurs DLC et leurs standalone. Hein, donc, Supreme Commander, je compte faire Supreme Commander, Forgotten Alliance par la suite et Supreme Commander 2. Je compte aussi faire Age of Empires 2 HD, mais là j'ai commencé par la campagne de The Edge of Kings. Donc, c'est d'original. Après, je vais faire The Conqueror, The Forgotten et je suis terminé par la campagne des Africains. Comme ça, vous aurez toutes les campagnes de Age of Empires. Je trouve des jeux plutôt bons. En soi. Ce qui peut surprendre, je pense, c'est qu'on me dit parfois, fais des jeux de stratégie, fais autre chose que des jeux de stratégie, tout ça. Je veux dire oui et non. Les jeux de stratégie, c'est ce que j'aime bien. C'est une chaîne à base basée là-dessus. Donc c'est sûr, je vais plutôt faire des jeux qui seront moins grand public que du Call of Duty ou autre. Ça, c'est une certitude. Après, deuxièmement, je préfère les jeux de stratégie parce que la communauté autour est mieux. Quand je vois des chaînes où c'est que du Call of Duty, quand je vois la communauté dans les commentaires, ça laisse réfléchir, ça laisse songeur quand même sur ce que peut devenir une chaîne. J'ai pas trop envie que ça devienne comme ça. Après, et en plus, Call of Duty est un jeu que je ne filmerai pas. Tout simplement, c'est un jeu que je n'apprécie pas, que je n'apprécie plus plutôt. Donc c'est une des raisons pourquoi je ne filme plus, enfin que je ne filme pas de Call of Duty tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il y a prévu pour l'année prochaine? Ah, vous pouvez déjà vous demander, je pense. Bon ben, là, Supreme Commander, j'ai deux autres ici,
faudra un 5,50 de à rigueur, que ce sera bon. Ajout Vampire 2 HD, bon ben, tous les ajouts Vampire 2 et tout ce qui va avec, donc il me reste encore à prendre le dernier DLC qui est sorti, à ajouter, qui est vraiment génial. Moi j'aime bien, honnêtement, ils font quelque chose de bien. Je ferai sûrement Ajout Vampire 3 par la suite. Mass Effect, je sais pas si je reprendrai l'année prochaine. Je compte toujours, c'est toujours prévu que je vous le fasse, Mass Effect. Seulement, le problème avec Mass Effect, c'est que ayant les jeux sur PS3, Mass Effect 2, Mass Effect 3, je n'ai pas de boîte d'acquisition pour les filmer. Donc faut que je trouve quelqu'un qui les a sur PC pour que je puisse emprunter son compte et les filmer. On verra bien. Ensuite, il y a deux autres jeux de stratégie qui sortent l'année prochaine. XCOM 2. Ah, je vais quand même vous les présenter. J'ai eu le premier XCOM, Enemy Unknown et Enemy Within, si je ne me trompe pas de nom. Très prometteur ce jeu. Vraiment, j'aime bien les XCOM. Quand je vois les informations qu'il y a sur le jeu, pour moi ça m'intéresse vraiment beaucoup. J'ai vraiment envie de le tester, de voir à quoi ça va ressembler, ce que ça va donner. Donc je suis vraiment impatient de le voir. Pour moi, c'est un jeu qui semble très très prometteur. Ensuite, il y a un deuxième jeu qui a l'air intéressant, Battlefleet Gothic Armada. Pour ceux qui connaissent l'univers de Warhammer 40 000, on serait plongé dans les batailles navales de l'univers là. Et ça pourrait être très intéressant. Honnêtement, moi, ça, actuellement, c'est deux jeux qui me donnent vraiment envie dans les jeux de stratégie. Et comme par hasard, hein, devinez Battle Gothic Armada de qui? Je vous laisse deviner de qui c'est encore ce jeu. Hein. De Focus, encore pour changer. Focus Interactive. Ouais, ils font. Enfin, disons que j'aime bien Focus Interactive, étant donné qu'ils font plein de jeux de stratégie de bonne qualité. Hein. On a vu Act of Aggression. On a vu Wargame. Bon, les campagnes de Wargame. Wargame, voilà. European Escalation était excellent, mais ceux de suivant ont été un peu moins bien. Voilà. Et le premier XCOM que je ne les ai jamais filmé parce que je l'ai eu assez tard en soi. Et que le jeu est bien comme il est, sincèrement. Je comptais pas filmer, surtout que le 2 était annoncé, donc c'est pour ça que je l'ai pas filmé. Après, il y a beaucoup de personnes qui me disent pourquoi je fais pas de Total War. Il est peut-être, je dis pas que c'est déterminé, mais je ferai peut-être un walkthrough sur Total War Attila, et plus précisément, je vais vous montrer Total War Center. Voilà. Non, c'est pas ça. Alors, il y a deux modes qui a l'air intéressant. Je peux. Excusez-moi, ça fait. Je sais plus le nom du. C'est Total War Center, normalement. Non, c'est pas Total War Center. C'est pas Total War Center, c'est un autre nom. Total War Mode. Attendez, on va retrouver que c'était ensemble, hein, ça arrive. Je sais plus le nom. Si, c'est Total War Center quand même. J'ai un gros doute en soi. Non, il est pas organisé comme ça, le site. Bon, tant pis, je retrouve pas le site. Quand je retrouverai, je vous présenterai. En fait, c'est un mode. Enfin, il y a le mode Seigneur des Anneaux. Je sais pas si je filmerai. Je suis pas quelqu'un, un grand fan. J'aime bien l'univers de Tolkien, mais après, Seigneur des Anneaux, à voir ce que ça donne dans le jeu. Et surtout, ils vont faire un mode médiéval. Alors, moi, j'adore l'époque médiévale. Alors, avoir un Total War dessus. C'est sûr que je vais me jeter dessus. Donc il y aura peut-être un mode là-dessus. C'est à voir, je ne sais pas encore. Une campagne sur un mode là. On avisera ensemble. Au moment venu. Il y aura toujours des replays de temps à autre de Company of Heroes 2, d'Act of Aggression, d'Age of Empire, en fonction du jeu que je filme. Hein, si j'ai des bons replays, des bonnes parties à vous montrer, je vous les montrerai.
C'est sûr. Et il y aura peut-être aussi. Faut que je me connecte au compte origine, j'ai pas mis à jour. Je vous présenterai aussi. Probablement Battlefield Hardline. Qui est, je trouve, une très bonne campagne. Vraiment, ça. J'aime bien la campagne, donc peut-être que je vous filmerai aussi. Donc, ça, c'est ce qui est prévu pour l'année prochaine. On avisera de toute façon en temps et en heure, mais par contre, XCOM 2, préparez-vous. Il est fort probable que ça vous l'ayez. Même pas, et même plus que fort probable que vous l'ayez. Donc, deux jeux de stratégie prometteurs, là, qu'on voit dernièrement. Et d'où on avisera. Voilà, on avisera si on les filme ou pas. Après, il y a. Une va se mettre. Je vais répondre un peu aux questions qu'on me pose régulièrement. On me demande souvent le matériel que j'utilise pour filmer. Donc j'utilise le logiciel Mirrorless Action, que vous voyez ici. Très bon logiciel pour filmer, bien mieux que mon logiciel pour ma carte graphique, hein, qu'on soit sincère. Et j'utilise pour mes vidéos Sony Vegas. Vegas Pro, voilà. Voilà. Aussi j'utilise Sony Vegas Pro, donc très bon logiciel pour faire les vidéos qui en soi je trouve pas mal du tout. Donc c'est voilà, c'est des jeux différents, c'est deux logiciels différents pour faire vos montages, vos vidéos. Ça vous intéresse vraiment XCOM, ça m'intéresse vraiment beaucoup, faudrait que je regarde quand même pour ah oui, un petit conseil quand vous prenez des jeux sur ordi, même sur console, j'ai aucun partenariat avec eux, mais je peux quand même vous montrer, c'est aller sur ce site GoClé CD. Voilà, il y a plein de jeux différents, donc GoClé CD par exemple, j'ai envie d'XCOM 2, qui est le cas. Voilà, je vais ici, XCOM 2, comparer les prix. Avec Agendex qui est annoncé dans l'édition de luxe, c'est pour ça qu'il est déjà disponible. Ensuite ici on a différents, on a des avis. Excusez-moi, alors moi j'aime bien le site là, achetéclécd.com, j'ai déjà essayé, ça marche plutôt bien. Je vais essayer de trouver les autres. Il n'y a pas les autres. On va aller sur Rainbow Six Siege, voilà. Alors Rainbow Six Siege, c'est un autre jeu très bon que je vais sûrement faire quelques vidéos dessus. Voilà. Ce site-là, j'ai déjà beaucoup utilisé, j'aime bien. Et j'ai déjà aussi, c'est des liens où j'achète mes jeux en online, ça marche très bien et j'ai jamais eu de soucis avec eux. Sincèrement. Donc ça vous permet d'avoir, en fonction de l'édition que vous voulez, etc. C'est. Globalement, vous économisez si vous prenez des éditions de base, vous voyez. Je prends XCOM, là où on était juste avant. Voilà, déjà 27 euros, la moitié du prix. Donc en soi, moi je trouve que vous aimez autant de passer par ici, vous avez des meilleurs prix l'argent. Donc un petit conseil pour quand vous achetez vos jeux. Je vous rappelle que je suis étudiant aussi. Donc acheter des jeux récents, type vous me dites acheter du Just Cause, faire des jeux comme ça. Par exemple, Just Cause 3 en Asie doit pas être trop cher, je pense. Just Cause 3, prendre la version PC bien évidemment. Toujours PC, pas console. Mais 27 euros. Après, faut vous dire aussi qu'il faut après les dépenser les 27 euros, c'est pas si simple que ça. Il faut aussi savoir derrière, c'est que en tant qu'étudiant, j'ai d'autres priorités que de vous acheter plein de jeux récents. Voilà, c'est je peux pas, voilà, tout simplement. Donc, faut vous en contenter. Je fais de mon mieux, mais je peux pas faire mieux que ce que je fais, sincèrement. C'est compliqué, je peux pas filmer plus de jeux récents que ça. J'essaye autant que possible d'essayer de concilier les deux quand c'est possible, mais sinon ça va être compliqué en soi à faire. Une question, mais donc c'est pour ça que je filme pas de jeux plus récents, c'est que j'ai pas l'argent en soi, j'ai pas forcément l'envie, parce que les jeux récents, on regarde les jeux récents qui sortent niveau stratégie, il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez, Company of Heroes 2 en 2014, c'est le seul jeu stratégique qui est sorti. Enfin. En 2014, c'est plutôt le seul DLC de jeu de stratégie qui est sorti en 2014. Enfin,
que j'ai filmé, c'était la campagne des Ardennes de Compagnie au Fier aux Yeux. Après, voilà, récemment, il y a eu Act of Aggression qui est sorti, avec StarCraft 2. Bon, StarCraft, j'ai toujours pas joué au premier, donc je compte pas filmer le dernier qui sort si j'ai pas joué au premier. Donc ça, c'est différent. Et aussi que c'est Blizzard, j'aime pas Blizzard. Ouais, en soi, je préfère Blizzard à Activision. Parce que je trouve que Blizzard a un meilleur respect comme de ses joueurs qu'Activision. Et il prend moins pour des bâches. Bon, ça c'est une autre histoire. Ça c'est chacun son avis dessus. Donc je peux pas filmer de jeux récents régulièrement. Mais j'essaye de faire de mon mieux quand c'est faisable. Ensuite, bon, il y a des jeux que je ne joue jamais. Par exemple, Cities: Skylines, je vous ai jamais fait du jeu dessus parce que je n'avais aucune utilité. Hein. C'est un petit jeu pour moi. Warhammer, Dawn of War, peut-être. Je trouve pas qu'ils soient intéressants les campagnes. Autant les Dawn of War 1 avaient d'excellentes campagnes, autant les Dawn of War 2, les campagnes laissent à désirer. Parce qu'au final, on fait tout sur la même map. Voilà. Quasiment. Donc, un sacré recyclage. Hein. Un sacré recyclage du jeu. Mais bon, c'est hors choix. Après bon, il reste d'excellents jeux, c'est pour le commandeur, voilà. Il y a d'autres jeux que je compte vous filmer, que je compte vous montrer, peut-être du Broforce, j'aurais pu vous filmer aussi un coup. J'aime bien Broforce, ça détend, ça c'est des belles conneries, etc. Donc je pense avoir tout dit sur cette vidéo bilan, hein, à part que j'espère qu'année prochaine sera riche aussi en événements. Que l'année 2016 soit aussi intéressante que cette année 2015, et vu les projets déjà que j'ai en tête, je pense que ce sera le cas. Je suis aussi en cours d'élaboration, faut déjà que je finisse d'avoir l'idée d'une nouvelle introduction pour ma chaîne. Il faut que je trouve. Ce qui me manque, c'est le logo de ma chaîne. J'ai toujours pas eu d'idée de logo, donc ça risque peut-être de prendre du temps. Je sais pas quand est-ce qu'elle sortira cette introduction, mais c'est prévu. En parallèle, il faut aussi une conclusion. Donc vraiment un pur montage réalisé par moi. Non pas un montage comme j'ai l'habitude de faire, mais vraiment je crée mon introduction entièrement. Et on verra ce que ça donne. Donc ah si, aussi une chose. Je sais, à chaque fois je me répète là sur cela, mais apparemment je suis obligé de le faire. Quand on me dit film des modes ou. Par exemple, film tel mode ou tel mode, globalement je filme rarement des modes, sauf exception. Exemple, le mode médiéval qu'il y aura sur Attila Total War qui sera peut-être filmé. Parce que je considère qu'un jeu de base qui a besoin de mode n'est pas un bon jeu. Vous allez me dire, bah, Skyrim reste un bon jeu. Il y a le gameplay qui compte, mais derrière, quand vous prenez un mode pour améliorer le gameplay ou améliorer le graphisme, soit. Pour améliorer le graphisme, c'est pas moi les modes qui m'intéressent, mais quand on doit améliorer le gameplay, c'est-à-dire qu'à base le gameplay est défectueux et que le jeu a un problème. S'il faut que la communauté s'occupe du jeu pour qu'il soit bien, je trouve ça regrettable en soi. Par exemple, je prends Act of Aggression, il n'a pas besoin de mode, il est très bien comme il est. Bon, il y a un problème d'équilibrage, certes, mais il est très bien comme il est. Age of Empires 2 aussi, Company of Heroes 2, a pas besoin de mode pour être bien. Voilà, la majorité des jeux, vous avez remarqué que je filme, n'ont absolument pas besoin de mode. Ils sont très bien comme celui. Vous voyez, Age of Empires 2, les seuls modes que j'ai, par le Steam Workshop, parcourir articles abonnés, donc les articles que j'ai téléchargés. Cette campagne-là, d'ailleurs, elle marche pas, faut la virer. C'est vrai, voilà, j'ai deux modes de skin uniquement, pour que ça soit plus agréable au visuel, mais sinon, en soi, c'est des modes qui sont. Inutile, voilà. C'est pour moi des modes. Moi, honnêtement, je les ai pas, ça me dérange pas. C'est juste que je trouve c'est autant profiter d'une amélioration quand c'est possible. Voilà. Après, c'est un choix personnel. Donc, il y a des jeux comme ça que je filmais pas parce qu'il faut mettre des modes. Et je ne vais pas mettre de modes, tout simplement, aussi. Ensuite, quand on me dit que vous avez un problème avec un jeu, je suis pas que support technique du jeu, vous avez un problème, vous contactez support. Pas compliqué, j'ai pas développé le jeu donc je peux pas vous dire pourquoi ça marche pas tout simplement. C'est pareil quand je réalise des vidéos, si vous avez un souci avec le logiciel de montage ou ça, bah demandez. Je sais pas, en fait il y a plein de tutos qui existent sur Miris Action et Sony Vegas Pro, donc au pire des cas vous tapez juste tutoriel pour les utiliser, vous les avez. Il
Vous avez des problèmes d'installation, vous contactez le support et ils vous répondront. Et voilà, c'est. Bon, en soi, je suis pas la personne qui doit s'occuper du travail de ces personnes-là. Je pense que c'est compréhensible en soi. Enfin, j'aimerais que vous évitiez les commentaires du genre ah, mais tu vois, lui il fait une meilleure vidéo que toi, nanani, nanana. Je ne m'inspire de personne quand je fais mes vidéos. J'ai des youtubeurs que je suis, hein, je me le cache pas, que je suis certains youtubeurs que j'apprécie particulièrement. Bad Bless par exemple, que j'aime bien, il fait des séances de stratégie. One Kill Studio pour un peu de détente, de Squeezie, voilà, bon, il y a Kekker Vekukov que j'aime bien aussi. Voilà, je suis aussi d'autres chaînes, mais je m'inspire pas d'eux pour faire mes vidéos. Je suis un indépendant, je fais des vidéos qui pour moi sont justes, pas des vidéos pour que ce soit de la communauté qui. Enfin, mes vidéos sont en adéquation avec ce que je veux faire, c'est que je prends en compte quand même vos avis, hein, quand vous me dites que quelque chose va pas, par exemple. Il y a un souci avec cette vidéo là, il y a un souci ici, il faudrait que tu changes ça. Je prends en compte parce que là, le but c'est de s'améliorer quand même. Je viens de voir un truc. Il y a des choses que je prends en compte pour m'améliorer. Par contre, tout ce qui est à côté, entre guillemets, support additionnel que je devrais vous donner, ce n'est pas à moi. Moi je réalise des vidéos pour vous détendre, pour servir de solution pour ceux qui en auraient besoin au besoin. Mais c'est tout. Je fais pas plus. Voilà. Enfin, je vais revenir sur une dernière chose qui m'a été bien demandée. Est-ce que je vous accepte sur YouTube pas sur YouTube, mais. Déjà j'ai une page Facebook pour vous. Vous pouvez y aller si vous voulez. Mais est-ce que je vous accepte sur Steam ou Origin, tout ça? J'ai envie de dire oui et non. Vous pouvez m'ajouter. Si ça vous fait plaisir. C'est qui, oui. Ah oui, je sais c'est qui. Vous ajouterez, c'est aucun souci. Cependant, si c'est pour qu'on joue ensemble, ça sera très peu probable. Parce que généralement, si je joue avec d'autres personnes, généralement, que je connais, donc ça sera pas avec vous. De deux, je suis pas là pour vous donner des tutos. Voilà. J'essaie de garder vraiment, en fait, j'ai fait en sorte d'avoir la liste la plus épurée dans mes contacts. C'est avec les personnes que je joue régulièrement ou que je garde souvent le contact. C'est avec eux que vraiment je garde dans mes contacts lorsque j'en ai besoin. Après, vous pouvez toujours me rajouter, ça vous fait plaisir. Ça me dérange pas, mais il faut comprendre que bonjour, ça va tous les jours, non. Bon, pas que ça me dérange, mais c'est juste que ça mène à rien en fait. On va avoir une conversation bateau. Je préfère qu'on ait par exemple que vous me contactiez un coup par mail ou que vous me posez vraiment une question, voilà, ceci, ou m'envoyez un mail sur YouTube. Voilà, on a une petite discussion là-dessus, sur ce sujet-là. Plutôt qu'une conversation comme ça. J'apprends. Je trouve c'est plus agréable. Après, ça vous doit. C'est pas moi qui décide. C'est vous qui voyez. Mais je trouve c'est plus agréable, ouais, d'avoir une conversation ensemble plutôt que de m'ajouter pour m'ajouter. À vous de voir. Après, c'est vraiment à vous de voir. C'est. Ils ont refait un map. Très moche. Là. Donc voilà, ça sera la dernière vidéo. D'ailleurs, ça sera, j'en précise pour dire que cette vidéo sera la dernière que je mettrai cette année. Après cette mise en ligne, je prendrai une petite semaine pour moi. Vous aurez pas de vidéo cette semaine-là, donc ce sera la semaine du 28. Vous aurez pas de vidéo. Donc ici, vous aurez les deux premières missions de la campagne de Jeanne d'Arc, la semaine du 21, la quatrième mission de Supreme Commander, et cette vidéo-là, qui sera la quatrième posée. Les missions sont en plusieurs parties, pour information.
Donc un peu plus que 4 vidéos, mais il y aura 4 missions, enfin 4 types de vidéos qui seront posées. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, une bonne nouvelle année, et à l'année prochaine. Encore merci de m'avoir suivi depuis tout ce temps.